Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur notre campagne avec la Louisiane, sur Empire Totalois. Dans le dernier épisode, nous nous étions attaqués à la capitale des pirates. J'ai réfléchi, je pense pas que ce soit une très bonne idée, je pense qu'avant on va... on était en train d'attaquer aussi les nations des plaines. Mais je pense que le plus intelligent serait en fait... Ce serait en fait d'attaquer ce territoire-là, parce qu'en fait on aura beaucoup de mal à le tenir vu que c'est la capitale, si jamais il attaque. Résistance à l'occupation étrangère, wow. D'accord. Donc on va tout d'abord s'attaquer à cet endroit-là. Parce que pour rayer une bonne fois pour toutes les pirates de la carte. Sinon, il y a les Espagnols qui traînent là. L'Autriche, je voudrais pas faire la paix. Excellent. Je suis en paix avec l'Autriche. Du coup, vu qu'on a capturé ces territoires là, pour le moment on est tranquille. Non, on va pas garder ces trucs là. À la place, on va bouger tout ce qui est. Tout ce qui est bâtiment de recrutement d'unités. À la place, on va faire vraiment juste des bâtiments administratifs pour mieux gérer toutes nos colonies, puis pour avoir plus de revenus, parce qu'on a plus de revenus avec les taxes et c'est très gênant. De toute façon, ça me sert à rien, j'ai déjà assez de villes qui peuvent recruter de bonnes unités, même si elles sont un peu loin, ça suffira. Et j'ai pas trop envie de me casser la tête avec tous ces bâtiments. Du coup, vu au point où j'en suis, je pense que je vais pouvoir passer le tour. Je me fais combien au prochain? 6000, on va voir si on peut pas faire du commerce avec eux. Moyennant finance, évidemment. Ok. Et c'est tout. Avec les Russes, c'est déjà ça. Ça nous fait déjà un petit magot supplémentaire. Du coup, on va pouvoir passer le tour. Une armée britannique... C'est pas forcément bon signe. Les troupes qui viennent de prendre le sud de... Enfin, le sud-est de l'Amérique. Des mains des Espagnols, je pense que je vais les ramener un peu près des côtes, un peu plus au nord, parce que l'armée des Britanniques, je sens qu'elle va bientôt attaquer. Et j'ai pas trop envie que ça arrive. En tout cas, j'ai envie d'avoir quelque chose pour me défendre, sinon ça ira vraiment pas. D'où la nécessité d'une armée. Un peu plus imposant que celle que j'ai. Même si elles ont fait déjà de belles choses. D'accord. Toi, du coup, tu vas te rapprocher un peu de ces bons hommes. Ça, on va le construire. Pas encore, ça c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, j'aurai 6 unités d'infanterie de ligne, du coup on va recruter des canons. Et de la cavalerie encore. Voilà, on va améliorer un peu tous les petits bâtiments comme ça. Celui-là. Celui-là. Celui-là c'est bon. Cuba c'est bon. Ici. Ce sera bon. Hop. Toi tu vas ici. Prendre cet endroit. Reddition acceptée, c'est parfait. Pas besoin de se battre. Ça on répare immédiatement. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre endroit où j'avais. Ici. Y'en a pas d'autres.
pas qu'il y en ait d'autres. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Du coup, vous, est-ce que vous pourriez bouger immédiatement? Parfait, et en plus on peut les imposer. Du coup, vous allez revenir par là-bas. Et en finir une bonne fois pour toutes avec ces pirates. Ça, on répare. Est-ce qu'il n'y aurait pas un port à réparer non plus dans le coin? Ça, c'est quoi? Galion construit pour la course. Le Kraken. Vous, vous allez vous diriger par là-bas, à Philadelphie. Pour continuer la construction de notre armée. Puis toi, en fait, tu vas rester dans le coin pour pouvoir bouger les troupes si besoin est. Parce qu'on s'attend à une attaque des Britanniques. Dans peu de temps. Ok, on commence à avoir une armée. Sir. Ah, là, faut que je refasse ces hommes. Sir. Vous, c'est bon. Toi, tu vas revenir par ici. Juste ici. Underway. Nouvelle ville égale argent. Comme ça. J'ai pas. Si, j'avais une autre ville ici. Pourquoi j'avais oublié lui? Je vais attaquer ça. On va attendre un peu. Et on va pas faire grand chose d'autre pour le moment. Pas grand chose à faire. Il y aurait pas des routes à améliorer? Là. Et là. Perfecto. Et puis toi, tu vas m'attaquer en Tigre. On va assiéger et on va passer le tour. C'est bug. Bah non, quand même pas. On va pas s'embêter à faire la paix. Pas quand je suis en train de gagner. Ah, forcément, j'ai un mec à Cuba. Pas très utile. Oh, j'ai gagné rien. Ouais. Ah oui, ça coûte 1000. Hop, une là. Mais il faut que je me refasse des canons. Par là. Lord? Sir. Your orders? Voilà. Toujours plus de canons. Any further orders? Officer on deck! Ça me paraît bien. Yes, Captain. Ship's orders, Captain. Moi aussi, vous allez rester là en fait. Vous êtes bien ici.
Et j'ai 666 d'or. C'est pas mal. Toi là, c'est quoi? C'est un galion? Construit pour la course. Ouais. C'est pas. Ouais. Ouais. On va continuer d'assiéger cet endroit. Et on va passer le tour. En attendant l'attaque des Britanniques. Qui ne saurait tarder. Pour 115 pertes, c'est raisonnable. Flemme. J'ai tellement la supériorité. Ok, on a pris les deux villes. Du coup, toi, tu vas aller me convertir tout ça, vu que tu existes. D'accord, des bonus, des canons. You ask too much. Hop. Ready, forward. Nouvel endroit capturé. On va reformer tout ce beau monde. De même ici, ça on va casser. On reforme tout ce beau monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça on va casser. Et ça on va casser. Parfait. Ça c'est la capture, tout ça, tout ça. Ça on améliore, très important. Et on va améliorer. Cuba, c'est ça. Puis voilà, on commence à être bien. Là, on a une coquette petite armée. Bien propre, comme il faut. Vous m'ennuyez. Vous me coûtez une fortune. Combien je gagne maintenant? Ouais, c'est pas mal. Spomol. On va passer le tour. Encore et encore. Ah, les Britanniques arrivent. On va surveiller leurs mouvements de près. Lettre de demande, ça va, ça s'est calmé. Fort, heureusement, ça c'est pareil. Là on a des routes de meilleure qualité. Là, flemme d'améliorer ça. En revanche, les petites îles, telles que cet endroit, je sais pas s'il me reste, si là, en Floride, ici il me semble avoir amélioré déjà. Et avec l'argent qui me reste. Ah, il y a ça encore. Il est temps que j'améliore un peu mes capacités de recherche. Du coup, on va améliorer ça. Ça fera très vite que j'améliore également. Ok. La vache, tout le monde me soulève en termes de technologie presque. Monsieur, vous maudirez ce jour, mais vous êtes fou. Êtes fou seulement fou. Ouais, déjà, toi, tu sers à rien. Tu vas me faire ça. Ça, tu veux bien? Non. Évidemment. Non. Oh, les gars, quoi, vous m'énervez. Non, je veux pas de territoire.
je vais pas m'emmerder à traîner en Europe. Bon bah écoute, ils ont pas l'air de vouloir... les gars quoi. Pas fastoche ces gens. I am rest. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il revient d'un coup? Du coup, les Espagnols sont encore en train de s'aborder mon commerce. Je suppose que c'est les Britanniques qui traitent avec les Marathes. Faut encore un mec à Cuba, mais j'en fous. Les gens ne sont pas contents. Très bien. C'est noté. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. On va améliorer ça. Ainsi que ça. Et... on va pouvoir améliorer des routes, non? Est-ce qu'on peut améliorer des routes? Ici. Voilà, et puis on va encore surveiller ce navire. Qui a un drôle de comportement. Allez. I shall rest. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends rien. Je comprends rien à ce qu'il fait. C'est étrange. Tu vas aller par là. Nouvelle technologie. Ça, on améliore. Et j'ai plus d'argent. C'est une horreur. Ça, on va améliorer également. Et une nouvelle ville, mais je ne vais rien pouvoir faire. Parce que j'ai plus d'argent. C'est vraiment n'importe quoi. Vous. Va falloir vous imposer parce que j'ai vraiment besoin de thunes. Mais vraiment. Vous êtes pas en guerre contre les Britanniques? Non, même pas. Ils sont en guerre contre qui? Contre la Nouvelle-Espagne et contre la Louisiane. D'accord. Bah écoute. Why not? Une fois de plus, j'ai même plus d'argent. Yes, my lord. Toi, tu vas rester là. Under sail. J'ai pas réparé ça. Combien? 300. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont invisibles? J'aime pas trop ça. Évidemment, heureusement ça s'est calmé. Une nouvelle ville. Ça. Et ici aussi. Qu'est-ce qu'on peut améliorer de beau comme endroit qui pourrait rapporter? Ouais, ici. La Jamaïque. Apparemment ça rapporte. Ça, je peux pas améliorer, c'est dommage. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ma...
Ça, on impose. Ça aussi. Ah oui, faut que je répare le port. Comme ça. Et avec l'argent qui nous reste, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Excellente question. On n'a plus grand chose. Puis on n'a pas beaucoup de... Ah, un port. Un port de commerce. Très bien. Très bien. Là, il y a encore des protestants. Du coup, on va convertir un peu tout ça. Là, il y en a encore beaucoup. Il y a presque que ça, même. Bah, on va pouvoir passer le tour une fois de plus. En espérant qu'on gagne 8000. Ça va. En espérant que ce soit... Qu'est-ce qu'ils vont ? Enfin, ils vont vers le sud. Je sais pas du tout où ils vont, là. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas si c'est sur moi qu'ils vont se diriger ou quoi. Ils sont plutôt agressifs, ces Britanniques. Comme à leur habitude. Nouvelle technologie. Nouvelle école. Ça, on améliore. Ça. Ouais. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Et puis, je sais pas. Ouais, non, il n'y a pas des technologies que je pourrais... choper par-ci par-là. Genre ça. Ouais, si tu veux. Tout ce que je peux prendre, je prends. Ça, vous voudriez pas? Ah, parfait. J'arrive à traiter avec les Russes par-ci par-là. Vous, je suppose que c'est de la merde pour vous. Apparemment, je vous insulte. Bon. Soit. Seules les subtilités diplomatiques vous sauvent du fouet. Là. Y'a pas des trucs à choper de ce coin-là? Un temps précieux, tout ça, tout ça. Pff, ouais, oui, c'est oui. C'est oui pour moi, Coco. Tant pis. Petit bug. Ça, vous voulez pas me le filer? S'il vous plaît. Et je vous donne ça. Ah, ils veulent pas. Évidemment, vous. Vous avez tellement de technologie aussi, de plus que moi. Ah, on n'a pas embrouillé vos cerveaux, ça veut dire non. Vous, il y a moyen que je vous chope ça. Si, il y a moyen. Je le sais. Voilà. On commence à se refaire à niveau... Du coup, on va améliorer un peu... Oh, on va faire du tabac. Est-ce que je peux améliorer? Oui, tout ce qui est ferme, je peux améliorer. Donc, je vais pas me priver. Là. Ouais, on va essayer de faire un peu plus manuellement. Là. Là aussi. Et un dernier ici. Très bien. Du coup, j'ai vu des gens. Non, c'était pas là. C'était pas là non plus. C'est là où j'ai vu les Britanniques. Mais où est-ce qu'ils allaient? En Inde? Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Très étrange. Je sais pas si c'est sur mes côtes qu'ils vont traîner, mais... Je vais surveiller ça.
Ukraine s'est révoltée. Pourquoi pas? Voilà, là on va pouvoir améliorer un peu notre économie. Tout doucement. Tout doucement, tout doucement, on va améliorer cette ferme. Et puis on va passer le tour encore. Des nouvelles de leur flotte là? Encore. Ça va déjà un peu mieux depuis que je suis en paix avec les Autrichiens. Chacun fait son bif de son côté et laisse l'autre tranquille. Moi ça m'arrange. Parce que eux ils ont déjà suffisamment de difficultés comme ça en Europe. Ça, on va améliorer. Ça, on va améliorer. Là, il y a des choses à améliorer aussi. Là encore. Et là encore. Très bien, tout ça. Ça avance petit à petit. Ça convertit très vite ici, c'est une très bonne chose. Dans 2 ou 3 tours, ça devrait aller. C'est bon, là, on commence à avoir une économie stable. Lui, j'aimerais bien le calmer un peu. C'est quoi déjà, un galion? Je vais tenter de le calmer avec mon armée d'ici. Ouais, y a pas de général, tant pis, ils s'en passeront. Allez. Je vais me débarquer là. Et calmer ce dangereux prédateur. J'ai vu des navires, mais j'ai pas réussi à voir si c'était le genre de navire qui pourrait m'effrayer. Fête de la Saint-Patrick à New York. Oh, tu débarques là, tu vas là, toi tu vas faire ça. Très bien. Des sous. Il me faut des sous. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça, c'est bien aussi. S'il y a une autre petite ville améliorée, je suis preneur. Ah oui, puis elle est... Bah tiens, là, hop. S'il y a d'autres fermes améliorées, je suis preneur également. Telles que celle-là. Puis, je crois que c'est tout. Celle-là aussi. Attends, j'ai combien? Ah oui, 865. D'accord. Très bien. Ça progresse petit à petit. On va sauvegarder. Tranquillou. On commence à se faire du bif. Bon, on se fait toujours un peu ennuyer par tout ce qui est corsaire et autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trucs bizarres, les Britanniques. Les Espagnols qui se sont fait calmer, je pense, par les. Les rebelles.
Tiens. Deux technologies de plus, c'est toujours bon à prendre. On a 7000, c'est pas mal. Ça, on va améliorer. Ça également. Là, il y a d'autres plantations à améliorer, si je ne me trompe pas. Celle-là, c'est... on fera plus tard. Je préfère me concentrer sur les petites pour le moment. Et faire fructifier petit à petit. Je pense que c'est tout en fait. Il n'y en a pas de plus grosse. Du coup, on va améliorer les villes maintenant. Ça y est, on commence à se faire du... on commence à se faire du bif, effectivement. Très très bien. Ça, ça coûte combien? 2500. C'est chaud. Ah, ça. J'avais oublié celui-là. Des villes à 3000. Il n'y a pas des villes à 2000 par hasard? Je pense pas. Ah, ici j'avais oublié cet endroit. Qu'est-ce qui rapporte le plus? C'est Curaçao. Si je ne me trompe pas. C'est ça. On va faire tranquillement. Oh, j'avais même pas imposé l'endroit. C'est triste. Tant d'argent perdu. Tant de possibilités d'argent. On fuit. Comme ça. Comme par magie. C'est pas grave. On s'en portera. Haute maritime. Acheminée subit un blocus. Bravo, ça. Oh, c'est vrai, là. Vous. Your Majesty. Sir. Voilà, on va attaquer ce galion. Et son empereur. Normalement, sans trop de difficultés. Je l'espère. Ça me fera un navire de plus dans ma flotte, et c'est toujours bon à prendre, même si ça coûte cher à entretenir, évidemment. Mais toute force navale est bienvenue, dans mon camp. Bateau qu'il a. Comment ça qu'ils me disent perdant? Je vais te montrer, moi, qui va perdre. En plus, j'ai le vent à mon avantage. Comment tu veux que je perde? On va accélérer, puisque de toute façon, ça va pas être très intéressant jusque-là. Un peu à bouger pour être le premier à tirer. C'est là que le festival va commencer. Tourner autour. Aïe.
Allez, mon gars. Tu peux le faire. Aïe. Comme ça. Je vais lui casser ses mains. Parfait. Bon boulot. On va rester sur des boulets ronds en fait. Pour le moment. Neutraliser un minimum, un maximum de leurs canons. Allez mon gars, tu peux le faire. Voilà, ça les calme. Ils sont inquiets car ils ont eu des dégâts à la coque. Allez. Feu. Ah, ils ont eu des victimes, ces victimes. J'aimerais me retourner de l'autre côté, mais ils risquent de me tirer dans la cache de munitions. On va tenter quand même. Hop. C'est vrai qu'on est un peu contre vent, mais il y a moyen. Merde, c'est ce côté de la croix qui prend chier. Allez là. Feu. Pour le reste, on va arrêter les tirs comme ça, quoique non, mais on va quand même lui tourner autour. Pour le garder toujours à... Ah non. Sérieusement? Dans quel monde? Putain. Sérieux, quoi. Me prendra à faire muse avec, avec des canons. Comment un galion peut résister à un navire de ligne? Je vous le demande. La réputation de ma marine est en jeu là. Je peux pas laisser cet affront. Défaite. Dans quel monde? Dans quel monde? Tant pis, tu vas m'attaquer ça. Ouais. Bon, bah tant pis. Il va falloir faire avec. Économiquement parlant... Ouais, il faudra aussi que j'améliore ça. Il me faut 4000. Bah, je les aurais, mais... Parce que là je suis à la ramasse niveau technologique. Ok. Cette fois, vous êtes foutus. Vous ne survivrez pas.
Je vais essayer de jouer avec le côté de ma coque qui est le qui est dans un meilleur état. C'est mieux quand on a 15 bateaux contre un plutôt que 1 contre 1, ça devient plus technique à gérer. L'erreur est humaine, le pardon divin. C'est beau. C'est beau, Alexander Pope. Cet homme est un pape, d'après son nom. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Alors, c'est quel côté qui a souffert? Côté droit. On va donc montrer le flanc gauche. Ce n'est pas un problème. Et lui, c'est quoi qui avait souffert? C'était son côté gauche. Sa mâture est intacte, presque. Ah là là, toutes ces colonies. J'ai un quart en plus, mais bon, c'est pas non plus... 135, j'ai moins d'hommes que... Je suis pas un expert en bataille navale, je peux pas trop... Je sais pas trop ce qui est le mieux. Enfin, je sais pas trop comment la jouer, celle-là, à part essayer de rester à portée de leur tir tout en les cognant. Bientôt à portée de tir. Boum boum boum. Ça n'a pas eu grand effet. Le problème c'est que eux ils vont tirer dessus et je vais pas trop aimer. Bon, ils ont perdu 4 canons malgré tout, mais... C'était pas un corps sourd. Ah oui, ils arrivent quand même à tirer une deuxième volée. Une deuxième bordée plutôt. Ouais, c'est kiff kiff. J'arrive pas à leur faire beaucoup de dégâts. Y'a Bobo. Peut-être moyen qu'on le retire derrière là. Dans la cale à munitions. Ouais, galère à tourner maintenant. Ouh là là. Putain, il a une coque vachement résistante comparée à moi là. Ok, cette fois on va faire ça, mais on va le faire bien. Bientôt. 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 On peut pas se permettre de faire ça. Bon là ça va être tout le temps la même chose. Ça va tourner, ça va tirer. Je crois que c'est moi qui vais perdre encore une fois.
c'est bien parti. Ben voilà, encore. Mon dieu. C'est quoi ces navires en mousse que j'ai? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, lui je l'envoie au premier port disponible et je le répare direct parce que sinon les prochaines batailles il survivra pas. Il coulera en un instant. Je sais même pas s'il sera à portée d'un port. Déjà, je sais même pas s'il survivra à la deuxième attaque. Est-ce qu'il va couler ou est-ce qu'il va... Ou est-ce qu'il va fuir? C'est ce que nous allons voir. Non, je suis pas mort. Mais je m'éloigne des côtes. Ok, il me laisse tranquille. Il ne perd rien pour attendre. Existe, enfin la Hongrie est indépendante. Écoute, pourquoi pas. Ça, on améliore. Avec un grand plaisir. Mon navire, là. Oui, il est à portée d'un port. Il va donc aller dans celui-là. Et s'y faire réparer. Immédiatement. Voilà. Je vais améliorer une école, parce que ça commence à bien faire. Pas celle-là, plutôt l'autre. Celle-là. Voilà. Ça, on améliore. Et s'il y a une autre petite ferme que je pourrais améliorer, ce serait parfait. Mais je sais pas si c'est le cas. Non, y a pas, y a rien. J'ai beau l'impression... avec 1000 j'ai assez pour améliorer. Malheureusement ça n'a point l'air d'être possible. Là les gens commencent à se calmer tout doucement. Ok, lui il est pas à portée en plus. Ben on va ramener ce galion. Ce galion j'ai quand même envie de l'avoir ce galion. Du coup on va envoyer notre meilleur navire sur sa tronche. Non. Je garde mes territoires. Et je les garde jalousement. Route bloquée. Under sail. Ah, il est plus là. Triste. Tant pis, tu vas retourner là où t'étais. Nouveau port. On va faire un port de commerce. Des fermes. C'est très bien tout ça. Région. Il n'y a pas un petit bâtiment amélioré là. Et avec l'argent qui reste, on va améliorer. Oh bah ça, j'avais oublié de l'améliorer, mais bravo. Bien joué ça. Je pense qu'on va améliorer ce port de pêche. Ah, il y avait ça aussi. Et ça, j'avais pas réparé. Bravo. Bon, on commence à se faire notre petite. Notre économie commence à grandir là petit à petit. Malgré tout, on va se quitter là. Ça fait un petit moment. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!